Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Last of Us. Allez, on va charger la partie. C'est la sauvegarde numéro 10 en mode détente. Voilà. Donc dans la vidéo précédente, nous avons rencontré Bill. Bill, un homme qui semble être solitaire, du moins en mode solitaire. À qui on a demandé une voiture. Voilà, on lui a demandé une voiture pour nous faciliter le trajet. Donc je vous rappelle que l'objectif principal, enfin l'objectif, oui, l'objectif c'est de trouver et rejoindre le frère de Joël. Et comme il est bon assez loin de la position où nous sommes, Joël est venu avec Ellie chercher, enfin chez Bill. Pour chercher un moyen de se rendre chez son frère rapidement. Donc voilà, on lui a demandé une voiture. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Merci. Et il nous a dit. Des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Hop, on va faire ça. Ouais, il nous a dit donc de. de. Oui, qu'il avait besoin de matériel. Alors, on va y aller, on en avoir plus. Voilà. Qu'il avait besoin de matériel, de matériaux plutôt, pour la voiture. Donc, notamment, bon là, on le sait pas, mais je pense que je crois que c'est la batterie. Alors, donc je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Alors, bon là vous avez compris, on récupère le maximum de choses, donc c'est offert par la maison. Hop, hop, hop. Donc j'ai fait là. Là je crois que... Voilà. Eh, hey, tu sais y jouer? Ouais, plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé, hey, Bobby Fischer, pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. T'as tout ce qu'il te faut, c'est bon. Ah. Alors ça c'est... C'est des documents importants parce qu'ils nous permettent d'améliorer nos armes. Bon, le plan de Bill, si vous voulez le voir. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que... On peut pas rentrer là? Non. Tac, tac, tac. Bon, ben voilà, il n'y a que des balles que j'ai pas pu prendre. La bouteille, je l'ai déjà. Enfin, je tout à bloc. Allez, alors on va continuer, hein. Elle aiguille son couteau. Allez, continuons. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne notre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Rigolez pas en parlant de lui. Ouais, y en a pas deux comme lui. Voilà. Je vais aller jeter un coup d'œil. Il y a encore des trucs à récupérer. Vas-y, prends ce que t'as envie. Ok. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. Huh. Pas de gélule? Ah, quand même. Voilà, bon, ici c'est bon. Allons par là maintenant. C'est juste un boulot, une livraison. Haha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Mon autre plan. Plutôt un gendarme urbain. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture.
Bill, laisse là. Je l'ai dit. Nous avons un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je ne mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Ça grouille d'infectés. Ça promet. Donc là c'est bon. Pop hop. Ah, la plante à la Resident Evil. Non. Donc il est passé par là. Allez, on continue. On te suit. On fait toutes les pièces pour voir s'il n'y a rien à gratter. Visiblement, il n'y a rien. Une batte, bon, c'est bon, on est déjà armé. Du soin, on prend. On continue. Donc là, c'est un bon moyen de récupérer un petit peu de tout. Enfin, du moins en mode normal, parce que en mode réaliste, je crois pas qu'il y ait énormément de trucs. Ah ouais, ça, il faut que je vous le montre. Voilà, il y en a un qui est là. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Allez, on y va. Trop bon. Ça coule plus, elle est à sec. T'es bon toi. Allez. Voilà, pareil, des trucs à récupérer. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Oh là. Alors là. Bon, c'est compris. Oh là. Hop hop hop. Voilà. Oh, tiens. Bon, le mieux c'est de les prendre un par un en fait. Hein. Voilà. Je m'en rappelais plus de ce passage. Bon, Ellie elle est tranquille. Hein. Ah, il y a une autre qui monte. Voilà. C'est réglé. Mais il y avait. Il était lui? Oh putain! J'ai même pas fait gaffe. Bah, heureusement qu'il m'a pas tué. T'aurais pu choisir un autre endroit où cricher. On va se soigner. Ah, super. Rien. Allez, alors, continuons. Cette porte va les retenir. Ils ont pas la clé, voici. Donc là, vous avez compris hein, ce qu'on fait. C'est au sous-sol. C'est qu'on se rapproche de l'endroit où est située la pièce de la voiture qu'il nous faut. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? S'équiper. Non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là.
Elle la veut, son arme. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est pour moi le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Et dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça. C'est mon cul. C'est exactement comme ça. Hé hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Mais merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Voilà, alors là, Bill vient de nous filer le pompe. Et je vous dis, c'est de loin une des meilleures armes du jeu. Alors, on va aller voir Bill, c'est important. Ça aussi. Voilà, maintenant on peut fabriquer des bombes à clous. Donc en fait, c'est des sortes de grenades. On est censé en faire quoi, ouais? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'il cherche des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'il repère pas. Enfin bref. Quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, c'est une caisse de vrai tank. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Alors vous voyez ça, c'est des caisses à outils. Quand vous les récupérez, vous pouvez... Voilà, vous pouvez améliorer vos armes de niveau supplémentaire. Alors, l'atelier, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Je sais plus à quoi ça sert, ça. Étui pour un deuxième pistolet. Étui pour une deuxième arme longue. Je sais plus trop à quoi ça sert. Alors, si je le prends. Ou 75, quand même, hein. Bon, c'est pas grave, 75. Et ça fait quoi alors? Voilà, c'est mieux. Ah ouais, voilà, c'est plus facile pour changer les armes. Ok. Bon. Rien de déceptionnel. Bon, vu qu'on est en mode normal. Alors, vous voyez, là, l'outil en bas à droite, il faut le niveau 3. Vu que là, je suis qu'au niveau 1. C'est moyenne. Enfin, je peux pas l'améliorer. Vitesse de rechargement, cadence de tir, pas. Non. Oh. Vitesse de rechargement, cadence de tir. Capacité. Augmente la capacité de munitions de l'arme. Oh, ça, c'est bien. Ah. Perforation, je peux pas. Augmente la capacité de munitions. Ouais, ça, c'est bon, on va l'augmenter. Voilà, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que je peux porter plus d'armes. Enfin, plus de balles. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je crois que... Ben, ça, j'ai déjà essayé. Je peux pas les récupérer. Ah, j'avais pas vu celui-là. Hop. Il y en a un autre ici. Bon, je suis plein.
Donc pour ça, ah bah, je peux en fabriquer hein, si je veux. Voilà. Donc je récupère là ça, ça et ça. Oh, nickel. Nickel, nickel. Bon, je suis armé comme Rambo là. Ah, il y avait un objet. Oh, il y a encore la moitié d'un mouchoir. C'est pratique. Là, je suis vraiment, vraiment bien armé. Bon, je pense que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. On va pouvoir tracer. Donc là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Hé, hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. The Shambhala. Ah bon. Il y a plein de trucs. Ça on prend aussi. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Allez, on continue. À signaler non plus. J'espère que la vidéo sera pas trop longue vu que je fais beaucoup de recherches d'objets là. Il n'y a rien. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. C'est pas le coup. J'ai récupéré encore des gélules. Oh, c'est ça que je me rappelais. Le groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. Alors. Rassemblez vos affaires. Juste les gélules. 45. On va essayer d'avoir jusqu'à 75. Allez, alors il va falloir traverser le cimetière pour aller au lycée. C'est bon, on verra bien. Bon. Je crois pas qu'il y ait quelque chose à récupérer ici. Putain, mais elle déconne souvent la lampe. Alors, non, je crois pas qu'il y ait grand-chose. Allez, alors. Ah ouais. Il faut lui Allez, parler. viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Merc. Alors. Allez, on se bouge. Après cette porte, je serai en terrain connu. Je m'en occupe. Vous entendez ça? Silence. Alors, c'est vrai que là. Ah, il y a un claqueur. Bon, il y en a quelques-uns. Alors, on va essayer de retrouver l'endroit surtout où il faut aller. Allez. Voilà. Bon, c'est pas un passage difficile du moins au début. Après, je crois qu'il y a. Enfin, ça se joue en 2-3 endroits. Hein. Là, c'est le premier. Ah, on va attendre qu'il passe. Où est l'autre? Voilà. Donc, ça, c'est le premier endroit. Nous voici au deuxième. Toujours avec cette technique de viser pour marcher le plus doucement possible. Et le troisième endroit, il est juste là.
Donc c'est bien parce que les personnages ne tirent pas. Si on ne s'est pas fait voir. J'ai oublié lui. Bon, on y va doucement, doucement, on n'est pas pressé. On essaye de bien jouer. Attendez, voilà. C'est ouvert? Ok. Voilà. Donc maintenant. Alors, vu qu'on fait le jeu en mode détente, je vais me faire plaisir et attraper et visiter un peu en fait. Voilà. Ah, des balles, je prends. Donc je vous dis ça parce qu'en fait vous avez la possibilité. Je vais buter l'autre aussi, comme ça, ça fera une vermine en moins. Vous avez la possibilité de tracer, vous voyez, il y a le tronc d'arbre. Vous pouvez passer dessous et continuer. Mais si vous faites ça, vous avez quand même la possibilité en fait de visiter la maison à droite. Et donc en faisant, comme je vous dis, en passant en dessous ou dessus, je sais plus là, ben vous ratez des objets, donc bon. C'est dommage. Mais bon, vous voyez qu'il y a du monde, hein. Donc c'est un peu... Ça vaut risque et péril. En plus, je crois qu'il y a un claqueur quelque part. Il est où le claqueur? Là, c'est Bill. Ah, mais il est là. Voilà, donc lui... Il peut vous repérer. Voilà, bon. Là, il y a du souhait. Donc, si c'est en normal, moi, je vous conseille de le faire. Parce que, bon, bah, c'est toujours plus sympa d'explorer le jeu dans sa totalité. Après, en mode réaliste, si vous regardez mes vidéos en réaliste, je tracerai. Hein. Voilà, bon, vous avez même pas un entier de Luciole qui est là. Bon. On va attendre qu'il rentre, on va le tuer. Oh merde, il est pas entré. Bon. Bon, alors apparemment ici il veut pas un chemin prédéfini. Oh putain, le claqueur. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus à récupérer ici. Il reste plus que là-bas.
C'est juste où je voulais aller, il est allé là. Bon. Encore ça va, si ça en va. C'est simple, là, si ça en va pas, je prends, je l'éclate la figure. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, il n'y avait pas tant de choses que ça. Oh non, je ne peux pas reprendre ma bouteille. Il faudra que je me rappelle que ça sert pas à grand chose de venir. Bon, il y avait peut-être d'autres objets, mais bon. Il y a encore un claqueur là. Ouais, bon. Ouf, il n'y a pas qu'un claqueur. Il y a du monde, mine de rien. Pour ça qu'il vaut mieux partir. Je me rends fou pour pas là. Ouais. Voilà, je le savais. Bon. Bon, ouais. Pas grave. On est plein d'objets si je les utilise jamais. Ah mais il y en a un qui se fait attaquer là. Oh. Allez. Voilà, bon. Ça met un peu d'action. Ouais. Voilà. Bon. Hop. Se soigne. Là, il y a une arme par terre. Voilà. Ou un clou en plus. On reprend une bouteille. Voilà. Et on continue. Bon, il est évident qu'en réaliste, je ne jouerai pas du tout comme ça. Là, bon, il faut se faire plaisir aussi. Hein. Bon, voilà, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. La sortie, elle est par là-bas, je crois. C'est quoi, le truc qui brillait. Voilà. Ici, il y a quoi? Il y a rien. On passe par là. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la châtière? C'est toi qui vois, Joël. Fais très attention. T'inquiète. J'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Alors, faites gaffe. Je pense pas qu'on soit obligé de les tuer. On va passer par la fenêtre qui est fermée, super. Donc là, il y a deux claqueurs. On va éviter. On va passer par là. Ah, bon, ok. Alors, on va essayer, hein. Ils sont sérieux. J'ai usé ma bouteille pour rien. Bon, ok. Bon, avançons, progressons. Ah merde, il y en a un autre là. Bon, on n'est pas tous obligés de les tuer.
Bon, moi je suis en mode normal, je pourrais utiliser le suret et l'égorger. Ah, bon, bah, c'est ça que je voulais voir, on peut pas monter. Donc ça m'évite d'utiliser mon suret. On passe par là. On regarde s'il n'y a pas des gélules ou des conneries comme ça. Il y a plein de trucs qui brillaient là. Non, non. Donc là, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Ici, il n'y a rien. Voilà. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. On va regarder allez, allez. Ici s'il y a quelque chose. Bon, de l'engrais. Ouais, bon. Toi bloc. Ah. Play, play. Hop, y a rien, y a rien. Là, c'est là d'où je viens. Là, je viens. Tiens. 5 balles. Ok. Ah, un suret. Putain, quel con alors. Bah, mais c'est vraiment parce que c'est en mode normal, il n'y a pas de suret d'habitude. Même pas que je sache. Monte. Hop, putain, 4 balles. J'ai lu là. Ok. Une seconde. Bon, oui, qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste m'excuser pour Tess. C'est tout. Je reviendrai plus là-dessus. Ellie, t'as pas besoin de t'en faire. On devrait rejoindre Bill. Alors, Bill, mon cher Bill, où tu es par là. Regarde s'il y a rien. Ah, s'il y a des flèches. T'es sur bloc de flash aussi. Passons par là. Ouf, il y a du monde, hein. Alors là, je vous dis pas. Là, je crois qu'une seule fois, j'avais réussi à passer sans me faire voir. Ça fait pas beaucoup. Oh, vous pouvez vous faire plaisir et les défoncer, hein, en mode normal. Vous êtes blindé d'armes, blindé de tout. Donc bon. Ah. On fait toujours un moins. Vous me gênez d'ailleurs. Voilà. Oh. Je me suis fait voir. Moi j'ai toujours fait ça. Voilà. Ah ben.
Ouais, c'est bon, je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait propre, on s'est pas fait toucher. Ah, tout à l'heure, j'ai joué un poil trop décontracté et je me suis fait avoir. Alors, par où on passe là? Par où on passe? On passe par... Non. Putain, mais d'où ils sortent? Ok. D'accord. Alors. Ils sont un peu nombreux. Eh ben. Bon. Ah ouais, putain, moi non. Vaut mieux pas prendre de risque. Comment on fait pour entrer? Putain, ils sont plus nombreux que ce que j'avais prévu. Hein. Quel bus? Ah ouais, d'accord. Eh ben, je ne pensais pas qu'ils étaient autant. Je m'amusais en réaliste pour passer là. Bon après là, je fais un peu esprit aussi de me battre parce que si c'est pour terminer le jeu avec toutes les armes à bloc, c'est bien gentil mais bon, c'est doux. Hein. C'est pas... C'est pas terrible quoi. Autant s'amuser au maximum. Bon j'utilise que les balles de pistolet hein, parce que... Je garde les autres armes. Ah, je suis allé trop vite, je crois. Elle est fermée. Il faut qu'on entre pour atteindre la batterie. Allez, Bill. C'est bon. Bon, ok. Ok, ok, ok. Y'a pas de soucis, je rentre. Voilà. Bon. La porte va tenir, rassurez-vous. Allez, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Allez, on va s'arrêter là. On se retrouvera pour la prochaine vidéo dans pas longtemps. Hein, donc, je vous invite à vous abonner et à ne pas hésiter à laisser des commentaires si jamais vous avez des remarques. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.